Une demi-poire, deux demi-poires, trois demi-poires, quatre demi-poires, 125 g de beurre, 250 g de farine, 150 g de sucre, 1, 2, 3, 4 œufs. Une demi-poire, deux demi-poires, trois demi-poires, quatre demi-poires, 125 g de beurre, 250 g de farine, 150 g de sucre, 1, 2, 3, 4 œufs. Une demi-poire, deux demi-poires, trois demi-poires, quatre demi-poires, 125 g de beurre, 250 g de farine, 150 g de sucre, 1, 2, 3, 4 œufs. Commencez, allume ton four, fais-le chauffer sur 180 degrés. Fouette les jaunes avec le sucre et le beurre fondu en ajoutant la farine tamisée. Fouette les jaunes avec le sucre et le beurre fondu en ajoutant la farine tamisée. Fouette les jaunes avec le sucre et le beurre fondu en ajoutant la farine tamisée. Fouette les jaunes avec le sucre et le beurre fondu en ajoutant la farine tamisée. Balle les blancs en neige. 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 Et incorpore-les à la pâte. Il n'y a plus qu'à tout mélanger. Et puis il n'y a plus qu'à verser le tout dans un moule graissé. Une demi-poire coupée en deux. Deux demi-poires coupées en deux. Trois demi-poires coupées en deux. Quatre demi-poires coupées en deux. Tu les disposes comme tu veux sur la pâte. Oh, que c'est beau! Ça va être bon! Vive les gâteaux! Fais maison! Y a plus qu'à mettre au four, chaleur tournante. Et laisser cuire pendant 45 minutes. Pendant ce temps-là...